Bonjour, je m'appelle Éric Lévesque. Je suis enseignant titulaire de la 8e année, ici au Centre scolaire Samuel de Champlain, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. On entreprend présentement notre deuxième, pour une deuxième année consécutive, notre projet entrepreneurial Pevent. Ce que je veux vous écrire, force de flexion, écrivez à côté de votre branche. Allô, mon nom c'est Fiona Pierre-Thomas et je suis la présidente des entreprises Pevent. On va faire un voyage à Montréal éducatif et comme le fun en même temps. Pour créer Pevum, chaque élève devait créer sa propre micro-entreprise. Toi, qu'est-ce que tu vas faire pour une micro-entreprise? La semaine après le congé, la semaine après ça. Il devait établir un budget, devait trouver un problème à l'école qu'il voulait vraiment résoudre et ou combler, un besoin qu'il devait combler. Et ensuite, il devait trouver une solution pour ce besoin-là. Toi, t'es fini. Toi, vous trouvez une solution pour votre soccer? On va probablement prendre la clinique de soccer. OK, le probablement, c'est quand ça? Bientôt. Je vais leur parler. OK, parce que ça commence à être urgent. On a plusieurs micro-entreprises. On en a approximativement 16 cette année. On retrouve, entre autres, une ligue de soccer intérieure les vendredis soirs après l'école. Yeah, let's go! Qui représentait un besoin chez nous parce que nos élèves voulaient faire plus d'activités parascolaires. Donc, Pevum a su répondre à ce besoin-là. OK. Allô, mon nom est Anthony. Moi, je suis Gabriel Como. Et nous autres, on est ceux qui font le soccer intérieur, comme tu peux voir. Yeah! Alors, chaque parent paye 35 $. Une partie des profits va au comité sportif, l'autre partie va au Pevum. Il y a beaucoup d'affaires entrepreneuriales qu'on a appris de ce programme. Par exemple, on a tellement de responsabilités cette année que, par exemple, on a besoin de commander des t-shirts, commander des médailles, puis à chaque vendredi, on a besoin d'être ici. Juste comme tu devrais voir quoi les enfants sont, comme s'ils avaient une médaille, le player of the game. C'est juste jouer nous autres aussi, c''est amusant. Pevum me permet de faire des liens avec mes cours de mathématiques souvent. Dans le sens que on sort, on parle de chiffres, on parle de compter de l'argent, on parle de budget. Les cas de comportement ont diminué, je pourrais dire, si je veux, on met un nombre comme 75% dans ma salle de classe. Justement par le fait qu'ils ne veulent pas décevoir, puis ils veulent vraiment bien faire leur travail. Donc tout ça, au-delà, en plus des résultats d'apprentissage qui sont atteints grâce à ce projet. Bonjour, mon nom est Jasper Degg, je suis VP Marketing. Mon nom est Zach Boulanger, je suis le VP d'activité sociale. Mon nom est Ryan Kofis et je suis le vice-président de l'entreprise. On apprend le leadership, l'autonomie, comme on apprend tout ce que tu aurais besoin pour faire ta propre entreprise. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui va nous aider pour le reste de notre vie. C'est une super belle expérience et puis je pense que c'est quelque chose qu'elle va tenir compte de ça dans un choix de carrière éventuellement. Ça me fait chaud au cœur de voir comment les jeunes ont pu s'entreprendre, monter du leadership et montrer qu'ils sont capables. Et dès qu'on leur enlève un peu de barrière puis qu'on les laisse s'explorer puis on les laisse s'épanouir, c'est incroyable ce qu'ils peuvent nous montrer. Il y a un goût de se lancer des propres défis, d'organiser des choses. Puis, ils voient des obstacles, ils les voient, mais ils les voient plutôt comme des défis à relever au lieu de « Ah non, on ne peut pas ». N37, N37. On prend la première.
Présentement, on est en train d'organiser notre troisième grand événement dans l'année, donc c'est le bingo communautaire Perron. N34. G 60. G avec. Les élèves présentement sont en train de s'installer, organisent toutes chaque micro-entreprise. J'en ai approximativement 12 aujourd'hui sur des 15 qui vont vendre des choses. On a du café, on a des smoothies, on a des 50-50, on a des... Je sais que c'est froid ici dedans, on a même des foulards aux couleurs du Seigneur de Champlain, on a de la nourriture, on a du yogourt gelé. Venez faire un tour, venez voir les jeunes de Pevom et leur merveilleuse mini-entreprise. Vraiment bien. On a fait environ 150$ et 200$ depuis la soirée a commencé. Puis les biscuits, c'est 75 cents pour deux. Et les sacs monkeys sont 5 pour un petit, puis 8$ pour un plus grand. Il y en a plus que je pensais qu'il allait venir. Mais le monde qui sont arrivés comme le jour, comme aujourd'hui, là, ça a été vraiment bien. Visage dans son rétroviseur, pas peur, fait qu'elle fait la frein. Bah! Qu'est-ce que votre corps fait? C'est ça. Dans ma salle de classe, il y a deux choses qui ont changé. Je vois beaucoup plus de leadership et l'autonomie de mes élèves. Sinon, je tasserais le mur ou je... Quand je suis en train de faire des apprentissages, on dirait qu'ils voient le travail à faire en avant d'eux. Donc, ils voient les prochaines étapes de ce qu'ils ne voyaient pas. Un projet comme ça leur permet de voir les prochaines étapes parce qu'ils doivent l'analyser eux-mêmes dans leur micro-entreprise et après ça, font le transfert dans un travail plutôt traditionnel dans une salle de classe où est-ce que, OK, j'ai ce travail-ci, je vais me corriger, je trouve mes erreurs. Si je ne peux pas trouver mes erreurs, mais je vais voir de l'aide et qui que je vais voir, mon enseignant, mes collègues, ainsi de suite. Et ça se fait beaucoup plus de façon autonome. Puis c'est ce projet-là qui les amène là, j'en suis convaincu.